Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil folding télémétrique. Il s'agit d'un Kodak Regent 2 qui est équipé d'un objectif Schneider-Krosnar Xenar de 105 mm ouvrant à 3,5. Donc un bel objectif. Les vitesses se règlent sur la couronne comme d'habitude. Donc la vitesse la plus rapide est 400. La plus lente, une seconde et une pause. Donc on arme. En principe, on est censé déclencher avec le bouton qui est juste là. Malheureusement, moi j'ai une pièce qui est manquante. C'est une sorte de petite patte qui relie le déclencheur qui est là à cette partie-là, à cette pièce qui est mobile. On peut quand même le déclencher manuellement, comme ceci. Il y a également un autre petit défaut sur l'obturateur. J'ai une pièce ici qui est manquante et je pense qu'elle sert pour la vitesse la plus rapide. Oh non, même pas. Si, elle sert pour la vitesse la plus rapide, voilà, à 400. Est-ce qu'elle déclenche tout de suite? Ensuite, à 200, elle ne doit pas servir donc. Voilà. Le réglage des distances, on a une petite indication qui est juste là. Un petit indicateur et on tourne la même molette qui est juste ici. Voilà. Si on ne le sait pas, on peut mettre un bon moment avant de le trouver. En appuyant, le bouton se range. Je pense qu'on peut aussi régler la distance en tournant. Ici. On met l'appareil en batterie. Hop, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, effectivement. Les deux tournent. Celui d'ailleurs, la molette ici est beaucoup plus précise. Il faut bien penser d'ailleurs à rentrer, à se mettre à l'infini au moment où on replie l'appareil pour pas l'abîmer.